Monsieur le prince est né capitaine, ce qui n'est jamais arrivé qu'à lui, à César et à Spinola. Il a égalé le premier, il a passé le second. L'intrépidité est l'un des moindres traits de son caractère. La nature lui avait fait l'esprit aussi grand que le cœur. On ne lui a pas inspiré d'assez bonne heure les grandes et générales maximes qui sont celles qui forment ce qu'on appelle l'esprit de suite. Ce défaut a fait qu'avec l'âme du monde la moins méchante, il a fait des injustices. Qu'avec le cœur d'Alexandre, il n'a pas été exempt non plus que lui de faiblesse. Qu'avec un esprit merveilleux, il est tombé dans des imprudences. Qu'ayant toutes les qualités de François de Guise, il n'a pas servi l'État, en de certaines occasions aussi bien qu'il le devait. Et qu'ayant toutes celles de Henri du même nom, il n'a pas poussé la faction où il le pouvait. Monsieur de Turenne a eu dès sa jeunesse toutes les bonnes qualités et il a acquis les grandes d'assez bonne heure. Il ne lui a manqué aucune celle dont il ne s'est pas avisé. Il avait presque toutes les vertus comme naturelles. Il n'a jamais eu le brillant d'aucune. On l'a cru plus capable d'être à la tête d'une armée que d'un parti, et je le crois aussi parce qu'il n'était pas naturellement entreprenant. Mais toutefois, qui le sait? Il a toujours eu, en tout, comme en sont parlés, de certaines obscurités qui ne se sont jamais développées que dans certaines occasions, mais qui ne se sont jamais développées qu'à sa gloire. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.